Nous sommes aujourd'hui dessus de cette décision. Vous voyez que le tribunal a condamné le coordinateur national, M. Abdourahmane Sano, à un an de prison ferme. Sékou Koundouno et autres à 6 mois de prison ferme. Et on a obtenu quand même l'acquittement de 3 personnes. Mais nous sommes dessus de cette décision. Et que ce que je veux dire, que la Guinée se trouve dans un grand tournant. Et j'espère que le combat va continuer de la part des avocats et de la part du FNDC. Donc que les partisans du FNDC, que cela ne doit pas les décourager. Nous devons multiplier les efforts pour protéger notre constitution, pour éviter qu'on change nos constitutions selon les personnes qui sont là. Donc nous allons relever formellement appel. Déjà on l'a dit au tribunal. Et nous allons partir devant la cour d'appel, nous allons défendre nos clients. Et vous voyez que les clients, nos clients ont le moral très haut, sont engagés à mener le combat en prison.